J'ai appuyé sur REC. Maintenant, on va pouvoir vraiment partir. Parce qu'en fait, j'ai cliqué. Enfin, voilà. J'ai cliqué. Et il n'y avait pas bizarrement Flash qui était mis en place. Enfin, bref. Voilà. ASMR grattage de gorge. Donc, vous êtes prêts? Prêtes? C'est parti. Mais. Ah, il allait m'énerver. Donc, ça, c'était. Niveau 2, il me semble. Voilà. Ça, c'était. Je sais plus. Niveau 3. Niveau 3, voilà. Ah oui, mais mince, il faut que je clique deux fois. J'ai oublié qu'il fallait que je passe des niveaux. Et ça, c'était niveau 3 à l'envers avec marqué niveau 4. 4, U, A, E, V, I, N. Ça, c'était ship. On essaye de gagner du temps. Hein. Oh non, ça, c'était quoi déjà? C'était lapin. Non? C'était pas ça, lapin? Oui, dit lapin? Je sais plus. Non, c'était pas lapin. Dane. Je me rappelle plus. C'était quoi? Fallait écouter, fallait regarder. Voilà. Ah, c'est peut-être ça qu'il fallait que je tape. Escargot, voilà, merci. Je suis déjà ambiancé par Euronews, c'est cool. C'était pas escargot. C'était le mot de passe. Petit. Petit. Petit escargot. Ah oui, c'était les. Mais ça, c'était. Ça. Petit. Escargot. Voilà. Hop, on a passé. On est au bon endroit, hein, niveau 6. C'est ça, hein, on est dans le bon. Ça, c'était quoi déjà? Je me rappelle même plus. C'était archi long. ouais, c'est lapin. C'est un truc comme ça. Je me rappelle plus. Comment c'est. C'est incroyable. Les trucs les plus longs, tu les oublies. Ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, Nibblorn m'avait grave aidé pour ça. Il y avait un truc, genre, ouais, les lettres, ça fait un truc. 1 plus 1 égale 2. En volaille, oui, exactement, merci. Vive le replay. C'était ça. C'était ça. Mais non, mais j'ai mal écrit volaille. Ah oui, c'est parce qu'il faut que j'écrive juste volaille HTML. HTML. Mon Dieu. Je sais même plus comment on écrit volaille. Ah. Merci. Merci de nous aider. Ça, c'était pour le son, et il disait. Elle disait, parce que c'était une fille, elle disait. Ça, c'est la 8, ça. C'est lapin, non? Oh, je sais plus ce qu'elle disait. Elle disait quoi? Elle disait quoi dans le son qu'on récupère lundi? C'était quoi? Oui, il faut augmenter le son. Oui, sound record. Oui, non, mais ça, je sais. Téléphone, merci, vous avez plus de mémoire que moi. Ça se voit que moi, je me suis pas du tout entraîné. Alors, sans les accents, j'imagine. Ça, c'était lapin. Ça, c'est le 8. Ouais, ça, c'est lapin. Est-ce qu'on est dans les cornes, là, ou pas? Je me rappelle plus. Ah oui, il faut l'écrire ici. Lapin. Pourquoi il veut pas? C'est lapin, monsieur. Voilà. Ça, il faut les corriger. Donc c'est pas autant pour moi, mais c'est autant avec EMPS. On les passe. Ça, c'était pas le pain, c'était pas le sel, c'était le pain, c'était le sel, je sais plus. Non, c'était des lettres, c'était E, O, c'était de l'eau. Il manquait de l'eau. Voilà, la mémoire revient petit à petit. Alors la page de B, c'était la page de derrière. La page de derrière, c'était quoi déjà?
On va le checker vite fait. Page de B. Point JPG. 2A. Ah oui, 2A, oui, c'est vrai. C'est la page 2A qui est en meilleure qualité. Voilà. Et il y avait marqué télévision. Point HTM. Voilà. On a passé. Je clique sur la lumière, voilà, Hans. Hans, c'était pour savoir qui, ensuite, dans la prochaine étape, c'est qui a fait les effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'était Bidou. C'est ça, hein? Ok. Et ça, on avait pris 15 ans, et c'était Lapin, encore. Parce que c'est le rappel de Lapin. Ok. Et là, on était là. Bon, c'est là où on est. Alors, faut agrandir le lapin. Donc, on faut agrandir, de ce que je me rappelle, de tête, grand. Et faut regarder quelque part. Je sais plus. Le bidou. Voilà. Papier.htm. On est dans les temps, hein. On est dans les temps. Et là, c'est la fin. Et là, c'est le bordel. On va devoir faire une grosse partie de puzzle, j'imagine, pour trouver juste des lettres. Voilà. Hop, je pense que ça, c'est un coin, hein. On est d'accord. Hop, comme ça. Ça, c'est l'autre coin. Pourquoi je me suis lancé dans cette histoire? 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 J'en peux plus. Alors, il y a un truc comme ça, là. Ok. Ah, il y a des trucs. Oh là là. Barre de recherche. La barre de recherche, ils disent oula dans le nom de la page. La barre de recherche, c'est lapin et papier. Faut que je reconstruise tout ça. Est-ce qu'on a un truc comme ça là, qui ressemble à ça là? Ici. Voilà. Hop. Ok. Est-ce que ça va refaire l'usine de... non, je pense que là, ça, on va avoir soit une phrase. Parce que l'album de Pink Floyd, la cinquième, c'était dur. Mais on est rentré dans les 1 minute 56 de toutes les autres. Ça, c'est beau, quand même. On a fait le bon speedrun. Voilà. Donc, là, on va passer 4 heures, hein, bien entendu. Je trouve rien qui va pouvoir se lier ici, en fait. C'est ça qui me perturbe. Donc, on va essayer de se chercher de ce côté-là. Est-ce que ça pourrait rentrer là? Genre, comme ça, non? Peut-être. Peut-être. Pas vraiment. Ça rentre pas. Ok. C'est l'enfer. Ok. On a décidé de le faire en speedrun. Pourquoi j'ai eu cette idée bête de le faire en speedrun? Avec Euronews en fond. À droite, les deux dernières pièces vont ensemble. Celle-ci, là? Ou à droite, celle-ci, là? Celle-ci et celle-ci? Elles vont ensemble dans quel sens? Ou celle-ci? Ah oui, celle-ci, elle va là. Non, c'est pas ça que tu voulais me dire? Celle-ci est valante, quoi. La deuxième, en partant de la gauche en haut, les pics à droite rentrent dans celui d'en bas, tout à gauche. Celle-ci? Tout à gauche. Comme ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, ça a pas l'air de rentrer.
Ouais. Ça va, on n'a pas trop de décalage, hein, au final. Ça, par contre, non. Non plus. En fait, ce serait bien aussi de trouver de ce côté-là, mais... Si vous voulez, vous cherchez de ce côté-là. Moi, je cherche de ce côté-là. Là. Si vous trouvez autre chose, je prends. Donc, du coup, logiquement, on pourrait avoir un truc chiant comme ça. Là. Si, je suis très puzzle, mais pas ce genre de puzzle-là. C'est un peu l'enfer comme puzzle, non? Il n'y a que moi. Tiens, regarde ici. Après, faudra le placer, c'est ça le pire. Deux pièces à droite au-dessus du niveau 16. Deux pièces à droite au-dessus du niveau 16. Comme ça, c'est ça? Oui, ça je suis d'accord. Et ça va en dessous. Je vais remonter un peu. Ça va là. Et ça pour l'instant, il n'y a rien. Non. Oui. Exactement. Donc là, on a des carrés, c'est cool. Celui-là, il va là. Il faudra que je replace tout, mais là, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Celui-ci va ici. Et celui-là, il devrait aller là, en fait. Hein. Non? Non, là. Il va là. Ok, donc faut tout replacer. Ok, donc du coup, tout le bloc, là, le gros bloc, à mon avis, il va sur la droite. Ouais, j'ai vu le pic, il devrait... Normalement, ça devrait être comme ça. Hein. Je le déplace en même temps, comme ça au moins c'est fait. On va attendre le reste par contre. Et on va déplacer ça. Ah, ici. En fait, je suis pas sûr que ça soit du coup. Peut-être qu'on c'est comme ça, plus. Oh là là, il faut trouver le bon endroit en plus. Oh là 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 là. Il n'y a plus de Renews? Qu'est-ce qui se passe? Renews est mort? Alors attends, petite pause de Renews. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Renews? Vous acceptez pas les boucles? Moi, je veux une boucle. Hein. Voilà. On est toujours dans le vert, ce qui est beau hein, quand même. Là, c'est magnifique hein, ce qui se passe. Ok, donc ça, c'est censé être là. Ça, c'est censé être là. Ça, c'est censé être là. Ok. Je vais tout mettre en bas. Hein. J'ai du mal à saisir comment on place les choses là, ce coup. Ok. Ça, c'est bon. On déplace tout ça.
C'est un peu l'enfer. C'est un peu l'enfer. C'est un peu l'enfer. Du coup, est-ce que ça serait pas comme ça là? Le pic, tu parles d'un truc spécifique là, y a plus de pic là. Le problème c'est ça. Je pense qu'en fait on va devoir fermer comme ça pour faire une phrase. Parce que je me rappelle d'un truc où en fait ça va faire une phrase à la fin. Faut juste qu'on trouve l'endroit. Le problème c'est qu'il faut trouver l'endroit quoi. C'est le même message depuis tout à l'heure, c'est-à-dire... Ah oui, depuis tout à l'heure, depuis que t'as écrit, quoi. Voilà. Donc en fait, ça fait un bloc, et faut balader le bloc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est ça. C'est moi qui me suis mélangé tout seul. Donc là, il n'y a pas la place, par exemple. Faudrait reculer. On peut se caler sur le hockey en haut à droite? Je pense pas. Parce que c'est à l'intérieur des grilles, non? De la grille, plutôt. Pour moi, c'est une phrase qu'il faut. Et après, il faut trouver le mot et l'écrire dans la place où il y a hockey. Ah, c'est peut-être ça là. Le début, c'est ici. À mon avis, le début, c'est là. Là. Non, c'est pas un truc comme ça là. Genre quelque chose, la réponse évidente. Bon, je le reconstruis là et on va voir. On va essayer de le placer après parce que là, je pense que c'est compliqué. Bah, les rouges, soit c'est sur du vide, sur les X. Mais c'est sur les X! Celui-là, il est bon, alors, du coup. Il y a un autre X ou pas? Oh là là, je suis bête, il n'y a pas de X depuis tout à l'heure et je me pose pas la question. Il est où le X? Il est où le deuxième X, là? Il y en a un ici, ouais, je sais, mais alors juste au-dessus. Ah oui, là, ouais. Ok, donc on part d'ici. Et la réponse, la réponse. Oh là là. C'était juste à côté, je suis choqué, j'en ai marre de cette histoire. La réponse A. On est toujours dans le vert, on est toujours dans le vert. Non, on n'est pas dans le vert, hein? Je sais plus. On a fait 19 minutes sur un truc. À cette question, énigme est le la réponse à cette énigme est le. Alors, je vais essayer de le mettre bien, comme ça. Et là, ça devrait être là. Ça, et ça, c'est un peu plus haut. La réponse à cette énigme est le mot. Particule? Non.
Y a un truc bizarre, non? PRT cul. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug là, non? La réponse à cette énigme est le mot PRTCULEQUNS. Il y a trop de choses là. Non? C'est particule. Le X de fin est décalé. Oui, en effet. Voilà. Donc particule. Ok. Oh là là. Ah, ça va être du code. Alors, user mode, c'est juste, faut le remettre dans le bon sens. Ok, bon, vas-y, tiens. Le début, normalement, c'est ça, le début du code. Group name. Voilà, group name. Ah non, mais en fait, faut juste reconstruire le truc, ok? C'est juste ça. Parce que s'il faut reconstruire le code, ça peut être plus simple, hein, je pense. Bon, on va regarder. Donc ça va avec ça. Comme ça. La réponse est évidente. La simplicité à l'état pur. Tout simple. Simple. Clin d'œil. Toqué trois fois. Faut mettre le numéro de la carte sur l'appli. Quoi? J'ai pas compris. Évidente. Ah, putain, sto blague. Oh là 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 là. Du dessin, j'imagine. Il nous faut alors des points A. On a évidente A. Donc on va avoir B. On n'a pas le 1 là, pour l'instant. C. Donc on continue jusqu'à combien? Ah, on a le 1 là. Les privés de joke? Non, bah non, là c'est d'autres points. Ok. Je peux aller jusqu'à combien, monsieur? D, toujours. Je suis censé reproduire quoi là? Alors non, je n'ai pas du tout la réponse à ton clin d'œil si c'était si c'est ça. Ah oui, ça y est, je commence à comprendre votre blague. Oh, non, l'enfer. Oui, bah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez derrière. Oui, exactement. 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 On s'est pas pris la tête pendant 500 ans, monsieur. Regardez derrière, bah du coup, ce serait quoi, Z? Non, ça va pas jusqu'à Z en plus. Hop, hop. Est-ce qu'on va. Du coup, ça s'arrête à quoi? À G? Ouais, on n'a même pas G, donc je suis allé jusqu'à F, je crois. Non, même pas. Enfin, il n'y a plus de points. Il faut que je relie tout ça là. Faut que je fasse des captures d'écran et que je relie tout ça là. Oh là là, c'est une partie pour ouvrir. On dirait le jeu où tu relis les points pour avoir un dessin, une phrase. Oui, mais ça, c'est exactement ça. Mais on va devoir du coup ouvrir. Tiens, quelle surprise des points. Ça, c'était le E. Je vais essayer de regarder parce que c'est possible qu'il y ait une réponse aussi juste dans les titres. Des points. Encore des points. D'autres points. Je vais vérifier tout, hein, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il n'y a pas tout. Toujours des points. Et du coup, on a jusqu'à E. Et après F. Oui, c'est ça, c'est clairement de. C'est clairement de. Faut relier, quoi. Mais
quand même genre 75 points à relier, non? Au minimum. Ah mais j'ai pas passé le truc là. Le 17 là, pourquoi on est niveau 18 du coup? Voilà, c'est bon. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. J'ai clairement pas compris ce qui s'est passé. J'essaye de vous éviter le sifflement. Il y a Toshop qui s'ouvre. Hein. Juste 2 minutes, histoire qu'on puisse bien se caler. D'ailleurs, je devrais pas faire sur Photoshop parce que je vais avoir du mal à tout relier. Genre, purée, mince. Bon, attends. Attendez. On va ouvrir le vrai, le bien. On va faire ça à l'arrache, mais bon. De toute façon, on est carrément dans nos cordes de. On est carrément dans nos cordes de runner. Hein. La dernière fois, on avait fait 2 heures sur je sais plus lequel. On est d'accord qu'il faut pas que je les relie d'une autre manière qu'en récupérant les. Parce que là, en plus, il y a les trames d'impression. Donc, logiquement, j'ai juste à récupérer les images et c'est bon, quoi. Sauf que je peux pas récupérer les images aussi facilement. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous ouvrir? Je vous appelle, je vous invoque. Bon, petite pause cacahuète, hein, j'ai envie de dire. Je vous envoie des super. Et si tu relis dans ta tête, comment. Stadia! Stadia! Je veux bien savoir ce que ça veut dire, ce que tu me dis là. Parce que. Comment je relis dans ma tête? Compliqué. Compliqué. Juste avec la souris, on essaie de trouver. C'est pas possible, il y a plusieurs pages. Comment tu veux qu'on fasse? Ah oui, commence par la première image, oui, mais c'est mieux de le faire sur un outil, quoi, non? Que ce soit plus probant. Il n'y a pas la première image, il n'y a pas un déjà. Le 1, il est dans D, je crois. Et le 2, il est dans E ou F. E. C'est trop compliqué de le faire comme ça. Je pense que le mieux, c'est de récupérer l'image et on fait comme ça, quoi. Non? Wow. Pourquoi les widgets, ils veulent pas se relancer, là? Je comprends pas. Je noterai, petit cancanou, je vais noter les. Je vais noter les pages en même temps, t'inquiète pas. Je vais ouvrir, hop. J'ai pas Paint. Non mais vous inquiétez pas, ça ouvre, hein, c'est ouvert, hein, c'est juste que j'essaie de faire attention à ce que je vous montre en live aussi, hein, mais le truc c'est que
C'est un peu plus long quoi. On va prendre un. Voilà, on va prendre du 8K. En taille. En fait, je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi les widgets ils veulent pas se lancer aussi, parce qu'ils me cassent la tête là. Ils font tout pour m'embêter. C'est bon? Vous ouvrez, monsieur? Je suis en train de casser tout le stream, hein, mais c'est pas grave. Tac, tac, affiché. Non, 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 non. Je veux juste que pour qu'on puisse relancer les widgets là. En fait, je comprends pas ce qui se passe. Notification. Ouais, bah c'est ça, c'est bon. Bon, bref. Hop, ça est ouvert. C'est ouvert. On va faire au fur et à mesure des captures d'écran. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer le truc. Fais la bonne taille. Je capture cette fenêtre. C'est pas comme si on était pressé par le temps non plus, hein, rassurez-vous. Hein. Hop. Je la mets derrière. Voilà. Exactement, hop, hop, et c'est parti pour faire du montage. Donc, hop, je vais cacher un peu, on revient sur la page de, hop, hop, capture d'écran. Alors vous allez voir le super retour. Tac, 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 ah non, mais il faut redimensionner, monsieur, oh non. S'il te plaît, fais-moi un peu le plaisir d'être simple là aujourd'hui, s'il te plaît. Allez! Bon, on va faire comme ça, on va faire comme des bourrinos. Donc ça, c'était la A. B. Je les récupère. Hein. Vous inquiétez pas, les imprimés écrans sont multiples. C'est. J'imagine que voilà, c'est. Ça se lit naturellement. Hein. C'est-à-dire dans le sens où des lettres, hein, parce que des. Pourquoi le E? Qu'est-ce que. Quoi? Je vous montre mon bordel. 2 minutes. Hop. Voilà. Mon bordel est énorme. Donc le E, normalement, est censé être celui-là. Est-ce que c'est vrai? Oui. Donc celui-là, c'est le dernier. Le A, c'est censé être celui-ci. Le B. Ouais. Donc le A, le B. Je couperai après. Le C. Le D. Et le E. Ok. On va couper. Alors, est-ce que je me rappelle bien du truc de coupage? Est-ce que je me rappelle bien du truc? On va couper avec le ciseau là. Il est où le ciseau? Hop. Est-ce que ça a vraiment coupé là? Non, pas du tout. Ah mon Dieu, non! Je me rappelle plus comment on coupe. Si, je vais faire ça. Ça marche. Hein. Pourquoi ça veut pas marcher ça?
Non mais ça, c'est pas du tout ça, ça c'est Oh, je me rappelle plus comment on fait. Est-ce que je peux juste couper comme ça? Hihi! Non, je pense que c'est parce que c'est encore des images pourries là, d'importation nulle. C'est ça cette histoire? Ça m'a tout l'air d'être ça. Mais du coup, en fait, il y a des trucs qui sont pas visibles là. Non, c'est pas ça. Hop. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Arrange, workspace, oui, c'est ça. C'est parce que mon workspace n'est pas suffisamment doué. Layout, prune, tracing, typographie, automation. Non, automation, c'est le truc. Oh c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça. Mais pourquoi y a 15 trucs qui s'ouvrent? C'est quoi ce truc là? Qu'est-ce que t'as ouvert? Qu'est-ce qu'il a ouvert ça? Mais va mourir en fait. Non, non, du coup c'était pas automation. Excusez-moi, hein, voilà. On essaye de faire un. Voilà, donc c'est ça. Hop. Et là on peut couper. C'est parce qu'il me manquait des trucs dans mon workspace, comme on dit. Du coup, layout, ça devrait marcher là. Ça enlève au moins les trucs de. Excusez-moi, voilà, merci. Est-ce que vous pouvez enlever juste. Je peux couper maintenant ou pas? Ouh là là, ça a l'air de bien couper, monsieur. Ça ne coupe rien du tout. Je veux couper votre truc. Oh, je vais le faire comme ça m'énerve. Mais non, mais c'est quoi ça? Hardboard, pourquoi tu me fais un truc bizarre là? Oh, ça prend 15 ans pour rien. Ça m'énerve. On va le faire sans. On va le faire au pif comme des bourrinos, parce que j'en ai marre. J'essaye de faire un truc propre, je sais pas pourquoi. Là, il y a Illustrator qui commence à me faire des embêtements. Excusez-moi, je suis pressé actuellement par le temps. Pouvez-vous vous casser? Merci. Ok, on va du coup mettre. Hop. Hop, celui-là, on peut le mettre à l'extérieur. Celui-ci, on va le mettre à l'arrière. Celui-là, on va baisser son opacité. Excusez-moi, j'allais dire un gros mot. Hop, celui-ci. Où est ton. Mais pourquoi il y a. Putain, plus rien là. Non mais c'est pas celui-là! Oh il bourre! Oh moi c'est celui-ci que je veux baisser. Voilà. Et après on baisse celui-ci pour le prochain. Celui-ci tu te mets à l'arrière. Hop. Tu mets à 50%. Et on va le faire comme ça. Avec un peu du jet, mais au moins on verra les points. Et ils mettent pas. En stream, c'est compliqué. Hein. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Send to the back, merci. Ouais, mais en fait, c'est forcément plus énervant d'utiliser un logiciel qui est lourd comme ça. Et. Hop, hop, hop. Si j'avais un truc plus simple et que je m'amusais pas à déconnecter tous les trucs de Windows, je vous assure qu'on y serait peut-être arrivé avant, clairement. Je remets tout bien, de façon à ce que tout soit collé. Voilà. Ça, c'est bon? Oui, ça, c'était bon. Et le dernier. Donc en passant, faut vérifier juste
les lettres, histoire qu'on soit sûr de tout. Ok? On va faire un petit process simple. Hop, hop. Alignement au milieu. Voilà, merci. Et le dernier, du coup. Le dernier. Hop. Qui est le A, normalement. Hop, hop, hop. Casse-toi. Merci. On prend tout. On aligne. Et c'est parti. Alors. On est sur des chiffres, donc là il y a le 6, ok. Là il y a le 9, ok. Je vais prendre une couleur funky, s'il vous plaît. Voilà, est-ce que ça fonctionne? On va le mettre plus gros. Est-ce que vous voyez cette barre? Oui. Est-ce que vous voyez mieux cette barre? Oui. Ok, donc on va utiliser celle-ci. Là, il y a le 1 ici. Le 2. Le 2 est là. Donc, je pars du 1. Je vais jusqu'au 2. Non, mais affiche, s'il te plaît, par contre. Oh là là. Mais qu'est-ce qui me fait ce truc? Oh là 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 là, s'il te plaît, affiche ton truc là, s'il te plaît, merci. S'il faut zoomer en plus pour pouvoir que tu affiches, je suis pas content. Le 2. Le 2 avec le 3. Voilà. Est-ce qu'on a trouvé le 4? Le 4, le 4, le 4, le 4, le 4, le 4. Non, ici, il est là. Le 4. Mais pourquoi il veut pas se relancer? Ouais, merci. Le 5. Le 5, s'il vous plaît. Le 5, le 5. Bon, il n'y a pas le 5. Il est où, le 5? Elle est là. Oh là là. Le 5, il est là. Il est ici, je crois. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va se faire avoir et qu'il n'y a rien écrit? Le 5, c'est bon. Alors attendez, on va faire un truc bien. C'est qu'on va, on va augmenter, on va mettre tous les traits en haut et bloquer ce truc là, parce que ça risque d'arriver. Ok. Donc le 5 c'est bon. Le 6 il est là. Le 7. Il est où le 7 là? 10, 17, non, c'est pas ici. C'est peut-être, c'est pas en dessous ce truc là? Oh, wow, c'était un coup à pas le voir ça. Hein. Le 7 il est là. Non mais si c'est vraiment on relie le truc, j'espère que c'est ça, hein, parce que si c'est pas ça, je sais pas quoi faire. Hein. Là sur le coup. Ok, le 7 c'est bon. Il faut chercher le 8. Bah. Excusez-moi monsieur, vous allez jusqu'au 6, s'il vous plaît. Le 8, il est là. Et j'espère que c'est ça, sérieusement. Pour l'instant, c'est une signature incroyable, mais... Waouh ! Le 8, il est là. Je crois, non, là, ça, c'est le 9. Il est où, le 8, là? Je l'ai vu passer tout à l'heure. Il était là. Hop. Voilà, le 8, le 9... Le 10. Tu sais quoi? Je crois que t'as raison en plus. Je crois que Nibbler, t'as raison. Parce que je l'ai déjà fait celui-là, mais je me rappelle pas exactement. Donc on va tout superposer. Hop.
on va faire de l'opacité. Je vais juste changer de layers pour pas tout casser. Hop, hop, hop. Et on arrache ça, s'il te plaît, merci. Parce que ça, c'est, en fait, c'est trop, trop bizarre déjà que qu'on n'ait pas tout. Est-ce qu'on voit bien tout? Tac, tac, tac. Là, on, parce que je crois que c'est ça, hein, t'as archi raison. Là, on voit pas mal. On voit pas mal. Alors, est-ce que je peux faire une sorte de système de groupe? Voilà, hop, tac. On va changer la transparence. On va mettre tous à moins de 50. Non, on va mettre à 50. Voilà. Comme ça, tout le monde est à égalité. Voilà, pas de bataille. Hop, ça c'est bon. Layers. Tac, tac, tac. Et maintenant, il faut chercher. Alors, le 1, il est là. Le 2, il est là. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, parce que le 2, voyez-vous, je sais pas si vous voyez, mais moi je le vois. Le 2, il est là. Le 3. Alors, excusez-moi, par contre, on peut revenir sur ce que j'avais fait tout à l'heure. C'est-à-dire un gros trait de 10 pixels, s'il vous plaît. 10 points, voilà, merci. Et on va faire carrément un truc bien, c'est qu'on va prendre cet outil-là qui va pas nous perdre. 3, 4, 3, il est où le 4? Le 4 est censé être quelque part là. Hein. Je vois pas le 4. Ah, il est là. C'est un 5, 6, 7, 8, c'est un P. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors attendez. Hop. 17, 18, c'est un A. 18, 19, 20, 21, 22, c'est un A. C'est pantalon, hein, je crois. Hein. De mémoire, je crois que c'est pantalon. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est où le 30? Le 30. 29. Il est où le 30? Il est en bas. 30. Ah, c'est un J. Pas pyjama. Pyjama. 33, 34, 35. 36. 37. 38. Non, c'est pas 38 ça. Voilà. 38. Relis-le, s'il te plaît, merci. 39. Est-ce qu'on peut... voilà. Je peux continuer? 39. 40. 41. Pige. Pige. Alors, attends, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Paysage. Je pense que c'est paysage. On va voir. On continue, hein, parce qu'on fait pour la beauté du jeu. 42. Ça a l'air d'être là. 44. 45. 46. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. C'est un H et un T. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Ok. Et c'est le clutch. Ah ben le 32, on l'a pas pris. Bon, je crois qu'on peut dire que c'est pi.htm, hein, non? Voilà, donc ça c'était bien à faire, on a réussi à faire quelque chose que tout le monde avait peut-être du mal à faire avant, donc moi y compris, et retournons à notre réponse pays, avec un s.htm, et on valide ou on valide pas? Et on valide! Du coup, niveau 19, alors ça c'est des couleurs, donc on va revenir sur Illustrator. Ce sont des couleurs, c'est des couleurs qui sont en X, et on va voir ça tout de suite. Je vais laisser ouvert, j'ai laissé ouvert, donc on est bien.
Je vais juste mettre et on va faire la même chose. Alors notez bien, le premier c'est 1085A, le deuxième c'est FFF0. Je crois que FFF0 c'est un rouge ou un 0, ou un gris. Excusez-moi, tu m'énerves. J'ai cliqué. Tu acceptes, monsieur Illustrator. Je sépare mon truc en trois et on va noter. Alors. Hop. On va tout prendre. Et on va faire comme si on avait tout inversé. Voilà. Donc, première couleur, c'est 1085. Mais pourquoi tu prends 15 ans et tu ouvres ces fenêtres à 15 km, s'il te plaît, merci. Je sélectionne quelque chose, le premier. Alors, je vous remontre 1085. Et on a besoin du troisième. Donc on va prendre le. On va faire la réponse jusqu'au bout. Donc 1085. 1084 5A. Par contre, ouais, merci. Donc c'est des appels de couleurs. Je peux pas difficilement vous montrer, mais c'est des appels de couleurs exés. Donc le premier c'est vert. Voilà. Pour le suspense, on va faire le dernier. Donc 4-0 AD. C'est un bleu. Un violet même. Un violet Twitch. Et le dernier, c'est FF. F, donc 4 fois F et 2 0. Et c'est un jaune. Voilà. Je vous remontre. Bien, on est bien au milieu. Hop. Hop. Et ça donne ça. Jaune. Et il y a le petit indice, c'était justement le exé là-haut. Jaune. Ah, quoi? C'est pas la réponse? Faut pas écrire jaune? Ah. C'est moi, je comprends pas. C'est un peu terne. Ocre. Ah, c'est fluo, jaune fluo, faut écrire jaune fluo là. C'est pas terne du tout, hein. Yellow? J'écris yellow? Peut-être que c'est en anglais. Waouh. Mais mec, tu veux que je mélange les trois, peut-être? Revenons sur notre base. Faisons un mélange de tout ça. Peut-être que c'est marron. On va faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire de faire en sorte que tout soit... reliés les uns avec les autres. Est-ce que tu peux t'arracher, toi? Merci. Oh, mais pourquoi? J'ai pas envie de te voir. Mais il manque des trucs là. J'ai l'impression d'avoir fait disparaître des. Ah oui, c'est avec mon truc là. Faut que j'aille chercher. Voilà. J'ai cherché Aligne. Il est où Aligne? Bah, il était là. Bam, bam. Et on va tout mettre à 50% parce qu'on est des gens comme ça. 50% de couleur. On va voir quelle couleur ça fait. Mais c'est un violet du coup. C'est lilas. Non? Des couleurs dans son drapeau. Les couleurs qu'on a tout à l'heure. Ah ouais, c'est possible. C'est possible. C'est fort possible. Attends, je vais essayer d'abord lila et après on va voir. Je suis sûr que c'est pas lila, hein, mais. Mais pourquoi au milieu du coup? Il a fait exprès de le mettre au milieu, ok? Non. Ok, on est parti pour les drapeaux. C'est sans doute ça. Drapeau. Drapeau pays. Drapeau des pays.fr.
La Roumanie? Alors on va checker la Roumanie. Hein. Wow, on est obligé de s'enregistrer là dans votre site, monsieur? J'étais dessus, t'étais dessus, t'étais déjà sur la Roumanie? C'est les couleurs de la Roumanie? Attends. Alors moi c'est pas un bleu. Hein. Je sais pas pour toi, mais moi c'est pas un bleu. Hein. C'est carrément un violet. Hein. T'as dit au pif. Ah, ok. Alors du coup, il nous faut d'abord un vert en haut. Du coup, vert jaune, ça fait Gabon. C'est Gabon. Est-ce que vous avez vu ou pas? Parce que moi je regarde, mais là, Gabon, là, c'est bien, hein, c'est un bleu. Et après, ça ressemble à un bleu, hein, mais peut-être que moi je suis en CMYK et MYKK, qui est un rapport de couleur qui n'est pas le bon. Hop, hop, Gabon. On va essayer Gabon. De toute façon, c'est pas comme si on a. Pas comme si on avait 36 solutions non plus. Hop, Gabon. C'est ça. Courbe et forme. Ok, donc faut qu'on aille chercher courbe.jpg, j'imagine. Ah oui. Oh. Bon, je récupère cette image. Je l'enregistre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça prend 15 ans là? Le bureau, monsieur. Waouh. L'ordinateur qui est en souffrance. L'ordinateur est en souffrance. C'est moi où il y a des problèmes de. De live split aussi. De temps en temps, il a des ralentis. Non? Ouais, on dirait qu'il a des ralentis quand je charge les pages là. Aïe 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 aïe. Je vais sans doute devoir fermer Illustrator. Je vais faire une optimisation très rapide de ma mémoire. Ouais, il y a des gros ralentis là. Ouh là là. Uniquement parce que je fais des chargements de trucs. Aïe 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 aïe. Ah là là. C'est pour ça qu'on fait pas de speedrun, hein, je pense, sur ouverture facile. Hein. Ça dépend de la connexion. Hein. Speedrun live. Quel était. Il y a 6 bots dans le chat, wesh. Salut les bots. Bonjour, bonjour. Jouons à cache-cache. Apparemment, voilà. Il en a marre de charger du truc. Donc on est niveau 20. On revient sur notre beau dessin du Gabon. On supprime ça. On va le garder. On va faire genre on se rappellera, tu vois. Pour la prochaine fois. Hop, 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 hop. On fait comme si on n'avait rien chargé. J'ouvre. Du coup. Ouais, d'ailleurs, les bots, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et à faire la promo auprès de Gallica si ça vous dérange pas. On veut toujours un lien très 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 proche avec ces entités qui nous permettent d'avoir accès à toutes les archives françaises si c'est possible. Moi, j'accepte volontiers de faire de leur promo. Je trouve que c'est même nécessaire. Exact. Et si tu fais la commande point d'exclamation et Twitter, tu as accès à cette belle phrase de modérateur que j'ai mis en place, qui donc nous donne accès à cet appel direct. Voilà, de Nightbot. Alors, est-ce que j'ai suivi l'MPK sur Twitter? Eh bien non. Tamara Del Empika est morte, hein, je crois. Hein. Mais si tu parles de Lolita, on va pas être d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, vous avez buggé, monsieur? Non? Ok. C'est les histoires de couleurs qui disent que c'est pas bon, qu'il faut attendre, il faut patienter. C'est quoi cette image microscopique?
On va la mettre sur notre fond, hein. Un magnifique fond, ici. Voilà. Et alors, Lolita MPK, non, désolé, j'ai pas osé, si on peut dire. Alors, est-ce qu'on a nos deux trucs? Oui, on a nos deux trucs, ça c'est cool. Hop, on va faire encore la même chose que ce qu'on vient de faire pendant six trucs. Hop, aligné, aligné, transparent 50%. Et on va voir quelle tête ça a. Sans doute des lettres, hein. J'imagine que c'est des lettres. Alors, peut-être un peu plus. Alors, il y a un Y. C'est pas très clair. Je vais mettre alors, non, le noir, faut que je le mette. Je vais mettre le premier à moins. Voilà, hop. Et le deuxième à plus. Il y a un A, U, Y. Alors le P, oui. Il y a une sorte de C à l'envers, étrangement. Hop, transparence. Excusez, peut-être en bas. Faut que je mette tout à l'envers? Ouais, je pense. C'est un H. MACH, machine, c'est. Je vais faire ça jusqu'au bout. 360 degrés. Ouais, 360, c'est pas vraiment 360, c'est. Voilà, machine, vous le voyez bien, nous avons fait cette chose jusqu'à la fin. Hein. Revenons à notre réponse. Et ils n'ont pas précisé que c'était. On est encore dans nos cordes de split. Hein. Ah, comment il s'appelle? C'est un très très grand acteur coréen. Non, chinois. Comment ça s'appelle déjà? Ah, c'est japonais, il est écrit en japonais en bas. Je comprends pas. Indice. Quand j'étais petit, je croyais que les Chinois et les Japonais marchaient à la tête en bas. Eh bien, ainsi soit-il pour toi. Offense, trigger warning, hein. Je peux pas sortir l'image. Du coup, il faudrait que je la mette à l'envers. Donc, on va écrire à l'envers, machine, non? C'est pas vraiment ça. Est-ce que si on lit à l'envers le texte, il y a peut-être ouais, il y a un R là, on dirait. Bon, attendez, ou lire le texte de haut en bas. Alors, je vais mettre ma tête à l'envers. Petite pause stream, 3 secondes. J'enlève Euronews de mes oreilles. Alors. Justement, là où il y a le R, il y a NORMAL ici. Est-ce que ce serait juste normal? Le HTM, tu le vois où? Je te vois pas. Ah oui, après, normal.htm. Eh bien, normal, j'ai envie de te dire, trigger warning, hein, racisme ambiant. NORMAL.HTML. Ah, j'ai oublié le M, le L. Alors, je peux déplacer cette image. Une image de cheveux. Alors normal, vous êtes perdu. Ok. Là, il y a écrit un truc ici, on dirait. J'arrive pas à lire, mais ok. Alors je suis perdu.
Non, pas vraiment, hein. On est toujours sur ouverture facile, ça fait déjà 1 heure que nous y sommes dessus, et nous sommes à la 21e. Ah, chapeau.htm. Est-ce que vous voyez ici qu'il y a écrit chapeau.htm? Ça, c'est les plus simples, hein, n'empêche, hein, avec le lapin. Alors, peut-être avec un L, s'il vous plaît? Ah non. Pourquoi? Il y avait écrit chapeau là. Chapeau. Il y a écrit chapeau ici. Titre de la page, vous êtes perdu. Indice. Il faut savoir apprendre de ses erreurs. Du coup, j'enlève tout. Énigme, chapeau. Ah, c'était marqué quand il y avait écrit chapeau. Ah bon? Il y avait écrit quoi? La même. C'est pas une erreur en fait, c'est la suite de l'énigme. Cette page n'existe pas. Ou peut-être que si. Qui sait? Visitez l'énigme suivante pour prouver que. Oh, c'est une fausse erreur 404. Visitez l'énigme suivante pour prouver que vous apprenez de vos erreurs. J'ai écrit quoi? Erreur 404? J'ai écrit quoi? Excusez-moi, là, je suis en train de bugger. Bah, tu veux que j'écrive suivant? Quoi? J'écris suivant à l'envers, là? T'as écrit 8 vangues? Je comprends pas, Nibla. J'écris suivant où? Y a rien là. Ça, si je clique dessus, j'arrive au forum. Ah non, c'est la suite. Oh, faut que je clique sur le forum là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Fallait cliquer sur le forum. Il a ouvert un autre truc. Et là, on revient sur le truc. C'était quoi déjà? C'était O. Il n'y a plus de points. Non, mais c'est pas ça. C'est pas O. J'ai encore oublié quelque chose. J'aurais dû regarder cette liste un peu plus attentivement. Vas-y, s'il te plaît, Euronews. Je t'ai pas mis en boucle pour pouvoir que tu t'arrêtes, en fait. Merci. Si possible. Oui, bah oui, s'il te plaît. Bah là, y a pas les trucs, j'ai déjà essayé. Oh, ça marche pas. Il manque un truc dans la liste. Il manque, ouais, il manque un truc qui était ici. Non? Farine, sucre, coca, coton, chips, pain, pita, bière, PQ, parufufu. Ah, il faut le mettre à l'envers. Non. Alors, je vous explique pourquoi il fallait le mettre à l'envers. Il y a une sorte de trace là qui barre justement quelque chose. Et je croyais que c'était haut. En fait, non. Donc, je réessaye. Hein, peut-être qu'il faudra réapprendre de ses erreurs aussi. Hein, mais. Voilà. Franchement, je me rappelle plus. Vais faire un check-up vite fait sur l'ancienne vidéo, sur l'ancien replay, mais je me rappelle pas du tout. Je crois que c'est ça le truc, c'est qu'en fait là il y a rien qui a changé. Pour moi, c'est la même chose. Mais ah, bonjour, bonjour 13 bis, excusez-moi, je baisse le son. Hein. Après sel, oui, il y a dentifrice, mais je sais pas.
Franchement, je sais pas, Nibbler. C'était la 8, la 7, je sais plus. La 3. On avait pris du temps en fait hein, sur les premières. Hein. Purée. Ah, je l'ai trouvé. Alors, 6 œufs, c'est bon. Farine, c'est bon. Sucre, c'est bon. Coca, c'est bon. Pain, c'est bon. Chips, c'est bon. Coton, c'est bon. Pain pita, c'est bon. Bière, c'est bon. PQ, c'est bon. Sel, c'est bon. Perrier fluo, c'est bon. Dentifrice, c'est bon. Fluo, c'est bon. Est-ce que je peux fouiller l'image de près? Non, je peux pas. En fait, là, je vois ce qui était écrit sur l'autre post-it, qui était la suite, en fait. Mais là, par exemple, j'écris quoi, quoi? Parce que là, normalement, c'est... J'écris quoi? Là, normalement, c'est O. Genre, de mémoire, c'est ça. Après, c'est ce que tu fais dès le départ. C'est-à-dire que tu te dis, ok, là, c'est O, parce que je l'ai déjà fait. J'ai encore oublié quelque chose, j'aurais dû regarder cette liste un peu plus attentivement. Alors, il y a des. Y a, au début. Bah, si on zoome. Si on zoome, on voit qu'il y a des traces en fait. Mais les traces, je sais pas ce que ça signifie autre que spécifiquement de. Tu vois? Là, il y a la flèche, comme je disais. Il y a un O. Une sorte de O. Ah, tu veux dire que tu penses qu'il faut zoomer, genre au max, pour retrouver une sorte de page, un nom de page quelque part? Tu penses que c'est ça? Je trouve pas. Hein. Si vous arrivez à avoir quelque chose à ma place, parce que moi j'ai mon écran qui est énorme et en même temps très lumineux, donc du coup le jaune là il me tue un peu les yeux. N'hésitez pas. Je vois rien en tout cas sur les lettres. Ah ouais, il y avait une fois une réponse en dehors du cadre aussi, je crois. Et ça faisait mal. Je regarde un peu partout. Pistache. Pistache est écrit en haut. Wow, si c'est ça, Il y a marqué pistache là. C'est pas des pistaches? C'est possible que le zoom écran perde des infos. Oui, c'est sans doute. Mais le truc là, c'est que. Il y a écrit en haut là, pistache. Et en fait, je me suis dit, c'est ça. En fait, non. Là, il y avait. On n'a pas écrit pistache depuis tout à l'heure en plus. Pourquoi il y aurait des. Ce serait apparu dans le. Alors, l'énigme d'avant, c'était la 22 et c'était l'erreur 404, c'est ça? Alors en passant par Photoshop, je peux zoomer encore plus, oui, mais le truc c'est que. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Hein. On va essayer, hein, mais.
Ah là là, petit cancanou. Je pense que tu vas peut-être nous aider hein, aussi à un moment. Je dis ça par dépression. Mais... Bon, alors du coup, voilà, j'ai ouvert. Ouais, au moins c'est dans le cadre, ça c'est cool. Donc, on se rappelle qu'il y avait le E, le A et le U de... Voilà, il y avait le E de sucre, le U de œuf et le A de pain, je crois. Alors, c'est Photoshop ou il faut que je fasse une modification, c'est Photoshop ou Illustrator? Parce qu'en fait, si c'est une modification de contraste, là, j'ai pas pour... je vais avoir du mal à le faire, en fait. Là. Alors, on va essayer de voir. Effet. Il m'énerve, hein, Euronews, là, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il s'arrête? Zoom juste. Bah, je zoome, hein. Si tu veux que je zoome, je peux. Wouah, s'il te plaît, vas-y, respecte la démarche, s'il te plaît, Illustrator. On zoome dans un carré, là. Oh, mais il m'énerve, en fait. Incroyablement, il m'énerve. Il est où le navigateur, hein? Il est même pas là. Franchement, sérieusement, c'est quoi tes essentiels de caca? Et il y a 6 km aussi. Bon, allez, tiens. Hop, zoom. Je vais à 800. Hein. Voilà, comme ça c'est bien. J'ai zoomé. Je regarde attentivement. Il y a un point là. Je sais pas si c'est une saleté. Là, il y a le haut barré. Et j'en ai marre, mais qu'est-ce qu'il a lui là avec son histoire de Euronews là? Qu'est-ce que t'as à t'arrêter en fait? Je t'invite à arrêter là? Bah non, t'es en loop, t'es en loop. La dernière fois, il ne l'a pas fait ça. Pourquoi il nous fait ça maintenant? Voilà, merci. Ah non, tu loupes tout, s'il te plaît, merci. Wouah, mais y a tout qui veut ma mort en fait aujourd'hui. Ouais, merci. Ouais, merci. Je sais pas pourquoi il a décidé d'arrêter la boucle. Alors j'ai zoomé. Je suis trop près ou pas là parce que. Ah il y a un point là. Ah les points rouges. Oh non. Oh là 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 là. C'est vraiment l'enfer. Oh là 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 là. C'est vraiment l'enfer. Il fallait juste zoomer et trouver un point rouge qui sont. Wouah! Est-ce qu'on peut adouber ouverture facile pour pas nous faciliter la tâche là? Parce que. Wouah! Je suis choqué. Ça aussi, je me rappelle l'avoir fait en plus. C'est ça qui est dingue. Ça veut dire que j'avais les capacités de le faire déjà. Et en plus, je l'ai fait un jour. Ouais, je me doute qu'il y en a plein. Mais ça, c'est pas étonnant. J'ai envie de te dire. Mais. En tout cas, merci Nibbler. Je ne sais pas si tu as regardé la Solus. Si tu as regardé la Solus et que tu m'informes, c'est très intéressant. Il faut que je trouve 10 points qui sont des pixels. Je sais pas comment le prendre. Hein. Donc là, il y a 2 P déjà. Un P, un A. Le T. PAT. Ça va être la pâte. De la pâte à quelque chose. Ouais, voilà, pâte. Merci, super. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce truc-là de me faire. Et ça fait quoi? Ça fait. Je suis vieux, hein, mais pas. Quand ça fait quoi? 15 ans que je l'ai pas fait? Non, quand même pas. Si? Si, c'est possible, hein. Donc, Pat, oui. Ça fait quoi? 15 ans que je l'ai pas fait ce jeu et c'est encore l'enfer. Sans S? Bah, tu veux que je vérifie si y a un S? Je vais vérifier. Ah oui, des pâtes, genre. Des pâtes à acheter pour faire des pâtes.
Parce que voilà, on n'a pas trop d'argent. Le S, ouais, il est là. Excusez-moi, hein, j'ai moins de flammes. J'ai moins de flammes. Tu as 15 ans. Le mec galère à faire des listes. Oui, clairement. J'ai pas son niveau. Hein. Clairement, là, on est. Wow. Bon, allez, hop. On arrache ce truc. Pat, merci. J'espère qu'il n'y a pas l'accent parce que je ne veux pas mettre l'accent. Merci. Ah oui! Celui-là aussi, je l'ai fait. Oh mon Dieu. Bon, on a besoin d'une traduction. On a besoin d'une traduction. On va utiliser Again Photoshop. Again Illustrator plutôt. Hop. Bonjour, exactement. Il y aura ton team to... Non mais... En fait, je sais pas si ce qui me fatigue le plus, le fait qu'on joue en vitesse et qu'on est dans le vert de ouverture facile, ou est-ce que c'est Illustrator qui m'énerve parce que je n'ai pas de patience avec lui. Je sais pas. En fait, j'ai pas de patience avec les logiciels qui sont censés nous aider à des moments très particuliers. Et là, en live, bien entendu, ça fonctionne toujours pareil. On clique sur l'indice tout de suite ou pas? Bah écoute, on va essayer de faire les grands un petit peu pour voir si on est doué, mais je pense qu'on va tout de suite switcher. C'est pas du morse, tout simplement. J'ai envie de dire. C'est pas une histoire de morse. Genre, les hamburgers, c'est des longs et. Non, c'est des courts et les baguettes, c'est des longs. Et en plus, c'est marqué pâte en haut. Donc ça veut dire qu'il faut juste traduire. Là. Il montre ce truc-là. Donc là, c'est pâte, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? On va essayer. Je vais écrire pâte en gros. Et on va aller chercher le morse. J'ai dit en gros, hein, quand même, s'il te plaît. Respecte-nous. Donc ça, on est sûr que c'est pâte. Hein. Si j'appuie pas sur la majuscule aussi. Oh là là. Ça, on est sûr que c'est pâte. Et en dessous, ça fera peut-être partie de nos antisèches pour pouvoir réviser ce cours qui est... qui est ouverture facile, ce cours de rappel. Alors le morse. Moi je veux juste voir si c'est potentiellement le morse. Code. Ça c'est un code hein, le morse. Ouais. Du coup. Alors stop. 1, 2, 3, 4. Long. Donc 4 points, un long. Allez, Wikipédia. Un 4 points, un long, c'est 4. Non, 3. Ouh là là. Un, deux, trois, quatre. Un long, c'est 4, on est d'accord. Ah non, c'est stop, 1, 2, 3, 4, 4. A, B, C, D. C'est D. Est-ce qu'il y a un long tout court? Le P, c'est un long, un court, un long, un long, un court. Un tiret est égal à 3 points. Un tiret est égal à 3 points. Donc là, c'est pas possible. Enfin... Et là, c'est du coup, ce serait le P, A, T, E, S. Donc ça, normalement, ça finit par 3 points. Donc c'est pas ça.
C'est pas le morse. Il y a 10 sortes de gens. Vous avez vu l'indice? Il y a 10 sortes de gens. On est d'accord, c'est des baguettes. Et des hamburgers. C'est... Ouais. Oui, d'accord. Il y a 10 sortes de gens, d'accord, c'est bien. Mais ça veut dire quoi? Alors, du coup, est-ce que c'est toujours le corne, le code? Du coup, on continue. Donc, alors, ça, c'est un stop pour moi. On dirait un diction. Qu'est-ce que tu entends? Une diction? J'ai un problème de diction? 10 sortes de gens. Il y a 10 sortes de gens. Ouais, on dirait un peu ça, ouais. Ceux qui font nanana, ceux qui font nanana, et ceux qui font nanana. Mais normalement, tu dis pas 10, tu dis pas les 10, tu dis 3. Non? Il y a 10 hamburgers en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. C'est un calcul? Genre 11 moins 13 moins 1 moins 1 moins 10 moins 11 moins. Tu vois? Est-ce que c'est des 0 et des 1? Oui, c'est des ça, c'est des 0 et des 1, c'est pour ça qu'ils se disent 10. Ok. C'est des 0 et des 1. C'est du binaire. Je me rappelle d'une énigme où il y avait du binaire, mais après, je sais pas si c'est maintenant. Ok, on fait un. Alors, 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, moins 1, pardon, excusez-moi. Moins 1, moins 1, 0, 1. Voilà. Moins 1, 0, 1, moins 1, 0, 0. C'est du binaire, je crois. Oh, on va aller chercher du côté des codes binaires, hein. Je tiens à préciser. Ouais, les hamburgers, c'est les 0. Donc là, logiquement, c'est ça le premier. Donc ça, c'est censé être écrit pâte. Et le deuxième, 1, 1, moins 1, 0. Alors, c'est pas moins du coup, si c'est du binaire, c'est juste les séparations. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Alors, est-ce qu'il y en a un déjà qui se ressemble? Le A, il y a le A à la fin. Est-ce que ça sera PAO, encore une fois? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est clairement les espaces. Je pense que c'est du binaire. On va aller chercher du binaire. Ok, donc c'était pas le code morse, excusez-moi. Le binaire. Binary code. Binary code. Binary code. Binary. Alors, je crois qu'il y a des générateurs pour pouvoir transcrire les lettres en. Voilà. Text to binary convert. Voilà. Ça, je l'avais trouvé aussi quand j'étais plus jeune. Du coup, c'était une grande fête. Voilà. Je vérifie qu'on est bien à la bonne taille. Ok. Hop. Alors, on va vérifier pâte. Est-ce que tu peux taper pâte? Merci. C'est peut-être pas du binary. Il y a peut-être un peu trop de. Un peu trop de 0, 11. C'est un peu trop de lettres. Regardez bien, c'est un peu trop de lettres. Moi, je pense, ouais. Alors, c'est peut-être pas du binary, mais c'est un autre code utilisé en informatique. Je me rappelle plus si c'est du binary ou autre chose. On va checker. Mais je me rappelle avoir déjà fait celui-là aussi. Check, check, check. Ah, si, c'est de. Ah non, mais ils ont donné la réponse. Mais non, mais nous on cherche. Non, mais plus jamais on fait ça. C'est pas du code binaire, c'est des valeurs. Ouais, c'est ça, c'est un truc que je sais. Ouais, je suis en train de voir toutes les réponses. Je suis désolé, mais on va pas faire comme ça. Parce que maintenant, je sais qu'il y a écrit chat en bas, tu vois. Et ça m'énerve. Faut qu'on trouve, du coup. C'est pas du binary, c'est.
Alors, j'ai vu, c'était des valeurs. Ah, les valeurs de lettres de clavier. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle du coup entre le clavier et la compréhension d'un ordinateur? C'est du binary, ça, non? C'est pas un truc genre comme ça? Comment ça s'appelle bah, c'est du valeur binary. Pourquoi? En fait, c'est quand j'appuie sur une touche, ça envoie des chiffres, en fait. Ah si, c'est ça. Le décimal code binaire. C'est peut-être ça. Peut-être qu'on s'est trompé. Alors, lettres en binaire. J'écris nul. J'écris nul. Ah, l'ASCII, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Alors, attends. C'est pas du binaire, c'est la CC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 
Bah, on va essayer avec l'autre. Peut-être que l'autre il va nous dire oui, en fait, c'est ça, hein, l'autre il veut rien dire, mais l'autre il veut dire quelque chose. Et là, faut que je compte combien de fois le truc. Bon. Hop. Hop. Ouais, mais moi non plus. Là, il y a plein de choses que je comprends pas. Et en fait, le truc, c'est que normalement, on a regardé tout à l'heure sur Wiki. Bah oui, c'est ça. Ça me paraît très étrange. On va rechecker, mais. Binary code. C'était le premier truc que j'ai fait. Il doit y avoir un truc intermédiaire. Ouais. Alors, sur Wiki. Le mot Wikipédia. Voilà, c'est trop gros comme truc. Là, on le voit bien, là. Attends, je vais essayer de le zoomer. C'est des lettres. Une lettre, ça fait 6. Plus de 6 à 8. ASCII en binaire, 10 égale 2. C'est qui a dit ça? Attends, on va regarder le code. Ça sera sans doute écrit à cet endroit-là. Ah, donc du coup, c'est ça, faut transcrire les lettres. En les mettant dans une autre valeur. Donc en code. Est-ce que ce serait le code de ce code-là, là? Voilà, c'est ça, le ASCII. Du coup, c'est entre les deux, c'est un peu ce que je disais au début, mais du coup, je ne l'ai pas appliqué en fait. Ouais, bah, l'American Standard, mais en fait, l'ASCII, c'est ce qui, il me semble, transcrit le clavier. Ok. Donc on a le même truc que tout à l'heure. Ouais. Alors on a dit. Mais casse-toi là. Moi je veux le grand là. Montre-moi le. Oh là là, il a tout cassé. Oh, t'as tout cassé Wikipédia. Hein. Infâme que tu es. Donc le P. Il est là. P. Le décimal code binaire qui utilise un quartet sur 4 bits pour co coder les chiffres décimaux. 4 bits binaires peuvent coder jusqu'à 16 valeurs indistinctes. Alors, si c'est pas. Alors, attendez. Énigme, pistache, pâte, indice. On avait dit c'était 10 sortes de gens. Ok. Alors le 1000. Le 1000, c'est. C'est soit 8, soit BS, soit CAN, soit la parenthèse, soit le 8, soit le H, soit le X, soit le Y, H. C'est 10 000? Ah oui, c'est 10 000, oui, en effet. Indeed. Bah, il n'y a pas 10. Donc c'est quoi? Il n'y a pas 10 000. Ça va jusqu'à 11. Jusqu'à 1100. Je pense que c'est pas ça qu'il faut ouvrir. Hein. Il n'y a pas suffisamment de trucs là. Je vais chercher le générateur, un traducteur de ASCII. On peut pas descendre. En dessous de 15, il n'y a pas. C'est ce qu'il disait en tout cas. Donc hexadécimal binaire ASCII. Ça, c'est il y a tout là. Et pour moi, c'est ça. C'est un message chiffré en binaire et il faut le transcrire en ASCII et peut-être ensuite en lettres.
Donc là, on voit, y a tout, là. Les conversions binaires de toutes les règles X qu'on a vues là. Ouais, ouais bien sûr. Ah, bah, c'est bien, il est bien codé votre site, monsieur. Voilà. ASCII binaire exa. Je pense que là, on va trouver des trucs bien. Donc, hop, nous, on est en binaire, de toute façon. Donc, voilà, comme ça, c'est fait. Je vais prendre la première. On est censé trouver pat à la fin. Donc, s'il y a pat qui apparaît, on saura dans quelle conversion c'est. Alors, on décode. Je sais pas si vous voyez, hein, mais là, il n'a pas l'air de nous aider. Hein. En ASCII, c'est 134, 150, 03. Donc, on peut vérifier l'ASCII maintenant. Le truc, c'est que je comprends pas, du coup, si je décode ça, ça devrait me donner quelque chose. Ah, pas du tout la même chose. Par contre, si je tape pat ici, normalement, je devrais trouver tout. Ah bah. C'est tout de suite qu'on a un. Des convertisseurs binaires X de toutes les règles. Ouais, c'est ça, mais c'est là où on est, je crois, clairement. Mais ça a bien l'air de marcher, là. On va revenir en arrière, parce que j'ai l'impression qu'il aime pas le fait que j'ai commencé par autre chose. Ouais, mais en vrai, c'est... c'est toi qui fais tout le boulot, là, sur le coup. Avec Nibbler qui arrive à trouver des trucs aussi. Là, pour l'instant, j'ai l'impression de pas avoir... Mais... Il m'a énervé, ce truc-là. Binaire. Non, mais t'inquiète, tu verras la suite la prochaine fois. ASCII texte. Est-ce qu'on peut avoir tout ça? J'enlève les espaces hein, parce que ça m'énerve. D'ailleurs, non mais... Oh là là là. Voilà, hop. On va mettre des espaces parce qu'il n'y a pas d'espace dans le binaire. Il est où? Ah, il m'a énervé là. Binaire à décimal. Comment tu sais? Salut petit cancanou, bon courage pour je ne sais que. Comment tu sais, Nibbler? Voilà, tu sais en ayant regardé la réponse, c'est ça que tu veux dire? Parce que décimal, ça fait 16. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nibbler? Est-ce que par hasard, P, ce serait pas la 16e lettre de l'alphabet? Et que A, ce serait la première? Et que T, ce serait la... La je sais pas combien-tième? C'est ça? Et du coup, qu'il faudrait que je traduise... ce que j'ai trouvé ici de la même sorte, c'est-à-dire que combienième lettre de l'alphabet mais comment as-tu trouvé? Donc du coup là voilà hein, on est d'accord. H après le 1 hein, le 1 c'est pas très compliqué hein, j'imagine que c'est 1 et je suppose qu'on retombe sur la lettre qu'on avait trouvée tout à l'heure la 20e lettre là. Tu es très intelligente et bien je crois que on a trouvé.
Ses chats. Alors, grâce à Nibbler, qui n'a pas du tout regardé la solution, j'imagine, qui en a eu marre de ça. Alors, du coup, H. Parce que hexadécimal, hein, bien entendu. On est d'accord. Comme ça. Mais je crois que t'es... On est d'accord, t'en as pas juste marre de me voir galérer. Alors, du coup, ça, c'était du binaire. Donc, du coup, j'avais un peu raison sur l'histoire du binaire. Dès le début. Par contre, au moment du switch, je savais pas exactement en quel code. Donc, c'est ça le problème. Et du coup, vu qu'on a trouvé des générateurs pourris, c'est-à-dire avec très peu de choses, maintenant, on sait que c'est du décimal. Grâce à Nibbler, qui est très doué. À skip plein 10. Ah oui, parce que 10 est décimal. Ouais, je suis pas du tout. Ouais. Bah, en fait, oui, d'une certaine manière, parce que ça va jusqu'à 10. Mais le binaire aussi va jusqu'à entre le 1 et le 0. Et t'as deux choix. Donc, t'as forcément le binaire en premier lieu. Et t'as après, tu te dis, ah oui, c'est vrai, c'est 10, donc du coup, il y a 10 combinaisons, décimales, peut-être que ça va avec. Oui, c'est possible. C'est possible, hein, mais là, on n'est pas à ça. On n'est pas très fort sur ça, j'ai l'impression. Voilà. Left room, front room, right room, et on va mettre back room. Parce qu'il faut qu'on regarde son ordinateur. J'imagine. Point HTML. Point HTML, si tu préfères. Même pas. T'as raison, ça n'a pas l'air d'être ça. Donc on revient. Ah, je peux cliquer dessus. Ah, je savais pas. Ah, il y a quelque chose d'écrit. J'ai vu quelque chose d'écrit. Reviens! Dis-moi pas qu'il est en train de dire quelque chose et qu'on doit lire sur ses lèvres. C'est les claviers, il faut regarder le clavier. Non? Pas regarder le clavier? Non, ça n'a pas l'air de le clavier là. Eh ben, c'est compliqué, hein. Pour moi, alors je vais recliquer. Ah oui, d'accord. Donc on va mettre back parce que c'est back en haut. Back. Can't connect to stream this room doesn't exist. Alors excusez-moi pour. Can't this room doesn't exist or name is incorrect. Ok. Front. C'est le contraire de back, de front, c'est pas back. Left, front, right. Si, si. Ouais, mais c'est ça, on est d'accord. Mais pourquoi il me dit connect? Allez, l'indice. Je porte la réponse sur moi. Ah, c'est sur son t-shirt. Oui, il doit avoir la réponse dans le dos. Je vais pas écrire dos. On est d'accord? Barbe. Hop, ouais, on peut essayer. Hop. Ouais. Et après, on essaiera done. Voilà, donc c'est pas up. Non, mais c'est dans son dos. Donc on va taper dos. Je sais pas pourquoi il l'a mis en anglais du coup. Si c'est pas dos et que c'est pas back. Alors attention les yeux. Si vous voulez, je vais faire une petite pause là. 3 secondes. Hop. Je reviens, je vais juste regarder ce qu'il y a écrit.
Alors, ils disent, on peut pas se connecter sur ce stream, cette pièce n'existe pas ou son nom est incorrect. Donc je vais taper backroom collé. Et backroom collé, ça marche pas. Toi, tu ne vas pas tarder non plus. Ok, il est quelle heure? Il est 16h19. On va faire une pause là. Juste 3 secondes. Je vais essayer de faire une pause là dans ce truc. Je peux? Voilà. On va faire une petite pause. Alors, comment qu'on fait la pause? Excuse-moi. Excuse-moi, comment on fait la pause? Pause, 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 pause. Hop, pause. Mais pourquoi il veut pas le faire? Il veut pas faire la pause. Attendez, j'essaye de faire la pause à mon manager de live. Voilà, hop. Voilà. Petite pause. Histoire qu'on se mette bien dans l'ambiance pour tout de suite après, tout de suite maintenant. Faut que je passe faire quelque chose aux toilettes, un petit pipi tranquillement, et j'arrive à tout de suite. Bonjour, rebonjour, bonjour, bonjour. Compliqué, hein, compliqué. Donc on a fait un petit, on va faire une petite pause dans le stream, juste 3 secondes, histoire que je reprenne un peu mes esprits. Petite pause dans le speedrun aussi. Et juste pour se dire un peu la difficulté de ce jeu. Mais en tout cas, je vous invite clairement à faire un big up à ouverture facile, parce que là on arrive à la fin, je pense. Je sais pas si il a prévu de faire justement la suite,
Vu qu'il n'y aura plus de flash, c'est possible qu'il n'y ait pas de suite directe. Je vous mets du coup les liens dans le chat. Pour ceux qui sont présents. Est-ce que celui-là fonctionne comme lien? Tout à l'heure, ça marchait, je crois. Est-ce que Nightbot a disparu du coup? Non. Excusez-moi, je reviens. Ouais, c'était dur. Hein. Les derniers là, ils m'ont. En fait, à partir du 404, je crois que je suis perdu. Je me suis perdu tout seul. Je vérifie vite fait. C'est compliqué, mais. Je vérifie que Nightbot est toujours là. Normalement, il est là. Et soutien. Soutenir. Ah oui, c'était pas soutien, c'était. Soutenir. Donc, soutenir ouverture, si vous voulez avoir des informations de comment vous pouvez faire perdurer ce jeu. Je sais pas si c'est prévu, hein, tout à chacun de travailler et d'avoir d'autres pensées en ce moment. Bien entendu, nous, on va essayer de finir du coup le pseudo speedrun que j'ai commencé. L'idée, c'est surtout de faire en sorte qu'il y ait des traces qu'il y ait des traces de ce qui a été fait sur ouverture facile, comment est joué, des réponses si jamais il y a besoin. Je sais qu'il y a le forum qui est toujours actif. Ou du moins qui est toujours actif, ça je sais pas exactement d'ailleurs, on faudrait qu'on check à la fin, on fera un big up au forum, parce que justement il y a, c'est un très bon jeu, c'est assez intéressant d'y jouer et de le finir, c'est très dur aussi, mais une fois qu'on a fait à peu près tous les niveaux, en vrai on peut les refaire. Moi, j'y ai pas joué depuis, comme je disais, depuis longtemps. Ça me permet en plus de redécouvrir, de voir la difficulté, si j'ai des trucs que je me rappelle en plus. Donc, c'est assez cool. Et du coup, n'hésitez pas à le faire, essayer, parce que c'est vachement nécessaire et intéressant à faire. Voilà. Peut-être qu'on va faire une petite pause de Euronews aussi, je suis en train de me dire. C'est vrai que c'est un peu compliqué, Euronews H24. Je sais pas pourquoi j'y ai pensé aussi. N'hésitez pas du coup, continuez à suivre un peu le live, de comment ça fonctionne, surtout Fraisbees, les chronologies des femmes artistes. Il y a Petit Cancanou qui nous fait une découverte en général tous les mardis. Ou toutes les 2 semaines le mardi, je crois, je sais plus exactement, je crois que c'est tous les mardis, mais je suis pas sûr. De The Last of Us 2, ses impressions, sa position sur la manière dont ça se déroule dans le jeu. La dernière fois, on a beaucoup parlé de ce que ça voulait dire aussi, c'est-à-dire dans les changements qu'il y a. Entre les personnages, entre le premier et le deuxième. J'ai pas joué au premier en plus, donc du coup, c'était intéressant à savoir. Voilà. Tac, tac, tac. Je suis en train de regarder en plus Twitter. Donc, il y a un nouveau Twitter en plus pour Twitch. C'est pour Twitch pour 13 bis, quoi. Je vous mets ça dans le chat. Si ça fonctionne, s'il vous plaît. Merci. Je peux cliquer dans le chat? Qu'est-ce qui se passe? Je vais quitter. Je vais écrire là. Hop, tweet. Donc là, c'est un peu. On fait crash test. Hein. Je suis désolé. C'est vrai que là, il y a eu un gros passage de Illustrator. Mais comme la dernière fois, c'est souvent compliqué de mettre en vue certaines énigmes sans les modifier. Donc du coup, j'essaye de montrer réellement comment chercher la réponse si jamais il y a besoin. Ça ne veut pas dire que je connais les réponses, je rassure. Justement, de pouvoir essayer de s'en rappeler semaine après semaine, parce que comme vous avez pu voir au début, je recommence à zéro. Et la semaine prochaine, ce sera aussi le cas.
Essayer de voir si on peut se souvenir de tout, etc. Sachant que là, on est à 25, ça veut dire qu'on a fait 10 de plus que la semaine dernière, ce qui est en vrai peu. Et normalement, je finis dans 30 minutes. Donc on va voir si on peut finir 5 de plus, ça ferait 15 par semaine. On n'y arrivera jamais à la fin. On n'y arrivera jamais, je crois. Mais on va essayer. L'idée, c'est ça, c'est d'essayer de voir si on peut finir. Si on peut tout finir, tant mieux. Sinon, si je pense qu'on n'a vraiment pas le temps et que ça risque d'être tendu de finir avant la fin de Flash, de toute façon, j'ai pris des sauvegardes du 15. Je vais prendre une sauvegarde au moment où on va s'arrêter. Et on va voir justement si on peut aller jusqu'au bout. Ouais, et du coup d'essayer de voir si on peut vraiment aller jusqu'à la fin, parce que par exemple, j'ai mis la fin à 93, mais juste avant le stream, j'ai vu qu'il y en avait 94, donc c'est possible qu'en plus on doit rajouter des énigmes. Compliqué. Mais en tout cas, c'est cool, là. Moi, je suis très content de le faire en live. En plus, je suis accompagné par Nibbler et Petit Cancanou. Ce qui aide beaucoup. J'avoue que là, je pense qu'en live, c'est très, très compliqué d'avoir le cerveau pour le faire. Et en même temps, le temps qui joue la pression. Euronews qui joue la pression. C'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs. Comment on dit, les meilleurs runs, on va dire. Mais en tout cas, c'est ça. Bon. Et si on recommençait? Si on se remettait en marche, parce que là, ça fait quoi, 10 minutes, même pas? Je pense, ouais, ça devrait être bien, hein, 10 minutes, c'est cool. Donc voilà, ça c'est bon. J'ai un peu allégé justement la charge, là, je viens de quitter Illustrator, j'espère qu'il n'y aura pas besoin de le réouvrir juste après, ce qui est possible aussi. Du coup, on va checker ça. Je vérifie que tout est bon, oui, si jamais vous voulez suivre, il y a tout. N'hésitez pas, il y a des commandes exprès pour ça. Hop, 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 on est bon, on est bon. La pause, je l'enlève. Je pense qu'il faut recliquer sur pause pour relancer le split. C'est pas ça? Faut pas recliquer sur pause, je vérifie. Si c'est ça doit être ça. Je reclique sur pause. Voilà. Ok, donc on est reparti. Alors, on avait dit tout à l'heure que Left Room, ça m'envoie sur Left, ce qui s'appelle Left Room, left.htm. Il porte sur lui quelque chose. Ça, c'est l'indice. Donc là, par exemple, ce serait possible qu'on ait à éclaircir ce gif. Parce que j'imagine que c'est un gif. Donc ça c'était front et ça c'était right. Donc là normalement si je mets back.htm normalement ça devrait être bon. C'est juste pour voir son dos. Donc on va. Peut-être que j'ai mis un HTML tout à l'heure et qu'il faut pas mettre un HTML. Donc encore désolé pour les yeux. Can't connect to stream, this room doesn't exist or its name is incorrect. Alors on va faire un check-up vite fait. Front room et inverte. Comme ça va l'inverser de front room. Parce que normalement c'est back room. Parce que c'est écrit comme ça, back. On est d'accord. Je vais mettre front, left, right. En mauvais anglais. Rire. Peut-être que c'est rire, en effet. Peut-être que c'est comme quand on conduit. Non, c'est pas rire. En mauvais anglais. On peut essayer de top pour voir si on peut voir de haut. Top ne fonctionne pas.
Alors, je vais essayer le reste. Ça, c'est pas vraiment voilà. C'est un peu plus ça, en fait. C'est un peu plus ça. Je sais pas si on voit bien, mais... les quatre positions d'une girafe. Donc, il y a back view, left side view, top view, front view. Et donc, c'est back. Non, on a back. Et là, on a chat. Donc, chat. Marqué front. Et du coup, ça marche pas. Si je reviens ici et que je mets back ici, ça change rien du tout parce que je l'ai déjà fait. Je vais être bloqué ici, hein. C'est sûr et certain. Le nom de la page, c'est Stream Error en plus. Je suis désolé pour les infos. Je vais peut-être faire un petit trigger warning là, pour celle-ci. Tac, tac, tac. Je vais mettre un petit texte. Attention les yeux. Voilà, je vais faire un petit texte quand même, histoire d'être sympa. C'est bizarre que le bac il fonctionne pas. Hein. Du moins, je vais pouvoir rester peut-être plus dessus. Et sur l'épilepsie. Alors, épilepsie, je pense que ça s'écrit comme ça. Hein. Parce que là, c'est quand même des flashs, donc. C'est vrai, j'ai un peu peur de ça. Hop, hop. On va mettre la couleur jaune. Et on va agrandir le texte. Place. On va le mettre là. Voilà. Du coup, on a dit front, ça marche pas le front. Là, on devrait pouvoir le deviner s'il y a écrit quelque chose sur son t-shirt, mais j'ai pas l'impression. Back, on revient dessus. Alors attention aux yeux. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai mis une majuscule. Donc, désolé pour les yeux. Et là, je peux pas cliquer sur quoi que ce soit. Cette room n'existe pas ou son nom est incorrect. Donc, on revient à la base. Là, il n'y a pas les indices. On va revenir sur les indices, voilà, hop. Et dans les indices, ils disent je porte la réponse sur moi, donc le t-shirt. Donc le t-shirt, on est d'accord. Hein. Je situe pas trop là, on voit la caméra, enfin la photo, l'appareil photo à côté, mais. Est-ce que left c'est bien left? Est-ce que right c'est bien right? Là c'est à gauche, on est d'accord, on est sur sa gauche, là on est sur sa droite. Donc là, il n'y a pas de problème pour l'instant. On voit rien. Est-ce que je dois écrire à l'envers? Front, genre. Parce que vu qu'on a déjà eu ça, est-ce que c'est front R? Non. D'ailleurs, j'ai mal écrit. Je vais réécrire bien. Parce que j'ai mis le R au début. Non. Ouh là là, ça va être complexe. Donc là, c'est Chatroom, hein, la page. Elle s'appelle Chatroom. Logiquement, ça pourrait m'aider. Ça, c'est la vue de l'écran. Du coup. Aïe! Est-ce qu'on peut voir les yeux? Non, on peut
va voir les yeux. Face. Face. Peut-être que c'est... Ouais, de face. Non. Compliqué, vu le ton compliqué, compliqué. Qu'est-ce qui pourrait être existant? Qu'est-ce qui pourrait être existant et qui fonctionne autre que la bac qui dit que justement elle n'existe pas? Je vais peut-être écrire backroom again. Non. Et si je tape room juste, est-ce qu'on a accès à quelque chose? Non. Donc left. Il utilise sa main gauche à faire un petit slide, on dirait, et il est sur les touches qui sont du côté de l'AZERTY. Ok. De face. Il a l'air de taper sur une touche particulière. Est-ce que c'est R? Non, c'est pas R. A, Z, E, E. On peut essayer de deviner. Hein. A, Z, E. Peut-être Do. Mais Do, on l'a déjà essayé aussi. On réessaye. C'est pas du. C'est, du coup, c'est pas du côté du chat. C'est pas la chat room. Ah, ça, c'est un ancien en plus, donc c'est compliqué. C'est pas la left room. La right room, ni la front room. Ça, c'est tout ce qui est, du coup, si je tape chat, on est déjà dedans. Si je rajoute room, on arrive normalement, logiquement, ici, mais ça ne devrait pas être ici. Voilà, c'est pas chat room. Donc, c'est pas du côté du chat. Normalement, c'est derrière lui, mais du coup... ah, le miroir. Il y a un miroir derrière lui. Alors, miroir. Est-ce qu'on peut... écrit en anglais peut-être. Parce qu'on voit un miroir là. On voit un miroir. Est-ce que si je vois le miroir, est-ce que je peux l'utiliser? Ça c'est une grande question. Mirror. Non. Compliqué. Compliqué, compliqué. Room ça marche pas, back ça marche pas, dos ça marche pas, mirror ça marche pas. Comment on dit alors on va voir front room, left room, voir s'il me dit quelque chose. Ouais bah non. Je vais sans doute tomber sur les réponses, c'est un peu malheureux mais. Là, j'ai l'impression en plus que... Bed? Bedroom? C'est possible, ça? Ce serait rigolo, mais ça, à mon avis, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. Tac. Alors, bedroom left, living room right. Fond de door. Ça existe... Enfin, c'est compliqué, là. Si je tape ouverture facile, je tombe directement sur la réponse, on est d'accord. J'ai écrit comme n'importe quoi. Facile. Il manque donc la page back.html. Tapez back.html dans la barre d'adresse. Le message d'erreur est un indice. Ok, le message d'erreur est un indice. Donc déjà, ça, c'est bien.
On va aller voir le message d'erreur. Donc du coup, faites attention, les épileptiques, écartez-vous un peu. Donc stream error, déjà. Et là, elle s'appelle stream error. Est-ce que je dois l'écrire à l'envers, du coup? On va essayer. KC. KC A. B. Non. Donc cette room n'existe pas. Je vais, bon, on va aller jusqu'au bout, tant pis. Taper juste backroom, voir si on peut juste avoir quelques indices sur pourquoi la backroom elle fonctionne pas. J'essaie d'éviter d'avoir les solutions, vous avez dû comprendre. Pour éviter les solutions, c'est compliqué parce qu'en fait il y a le forum qui est grave en marche. C'est quoi l'adresse de la backroom? Est-ce que ce serait pas niveau 4, 24 du coup? Est-ce que ce serait pas genre juste niveau 24? Revenir à niveau 24. Apparemment, il y a des Allemands qui essaient de se faire aussi ouverture facile. On va voir si moi, je comprends pas l'allemand, donc sans doute il y aura des réponses, mais. Ah, les gens, ils sont bloqués, hein, j'ai l'impression. Des gens ils sont bloqués au niveau 3, ouais, normal. Bon, alors, sinon on peut aller aussi dans ouverture facile, le forum, trouver du coup un problème technique, non, mais création, non, les énigmes aident. Et par exemple, on peut trouver le niveau 25 ici, si on cherche bien. Voilà. Oh purée, il y a 93. Wow. Donc 93, c'est bien ce que je pensais. Et la 25, ça doit être une des premières en fait, qui a dû être le plus gros blocage. Ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui. Après, c'est un stream error. Donc, du coup, logiquement, c'est juste qu'il n'y a pas la vidéo. Si je fais replay, genre back replay, ça veut. Il porte la réponse sur lui. Si je tape t-shirt, je trouve. Hein. Alors, T, ça marche pas. Est-ce qu'il n'y a pas un truc où je peux changer le code couleur, hein, tout dans le style front? Je vais voir si je peux changer la couleur. Je vais juste écrire couleur en plus. Non. Parce qu'il y a un truc comme ça aussi, je pense, où on doit choisir left, right. Ok. Bon, on revient dessus. On va checker vite fait. Niveau 25. Ah, tant mieux. Ce menu a été désactivé. Apparemment, ça a été posté en 2017, l'année dernière.
Donc on est un peu... voilà. Ils ont peut-être fêté l'anniversaire. Nous, on fête la fin potentielle. Je trouve pas le 25, hein. Peut-être que je vois pas. Ah là là. Les énigmes. Tutoriel. Votre ouverture facile. Créez votre. Ah, donc échangez vos impressions. Tutoriel. Des guides pour appréhender le logiciel. Des énigmes adaptées aux plus jeunes pour apprendre à raisonner comme les grands. Votre su suggestion. Est-ce que je peux avoir accès à. À la réponse. Et je ne comprends pas pourquoi il décide à un moment de s'arrêter. Eh bien, ça a l'air d'être aidant. Normalement, sur le. Je me rappelle d'avoir vu plusieurs réponses sur ouverture facile, du coup, on va checker ailleurs. Il porte ça, mais inutile de la chercher dans les trois vidéos, vous ne la verrez pas. En revanche, on peut. Alors, gauche, droite, front. On arrive alors à une erreur qui nous dit que la connexion est impossible, soit parce que l'adresse n'existe pas, soit parce que son nom est incorrect. C'est là qu'il faut se souvenir de l'énigme. Ah, faut faire un rappel. La solution où la réponse était évidente. Donc ici, sur le même principe, le nom de l'adresse est incorrect. Ah, bah voilà. Du coup, on va finir ici, je pense, parce que j'ai regardé jusqu'au bout. Donc si c'est incorrect, donc on va déjà aller sur back et on va checker en anglais ce que ça donne. Désolé pour les épileptiques. Alors, its name is incorrect. Et ouais, c'était ça. Et c'est encore un truc de non-sens, de sens pur que je n'ai pas. Et je pense qu'on va s'arrêter au 25. Et du coup là ils disent, alors du coup que stream not found. Donc on n'est pas arrivé en fait. On n'est pas arrivé, c'est pas la fin. Alors excusez-moi, je vais regarder la solution encore. On va regarder la solution et on va s'arrêter là, comme ça fera justement un rappel pour la semaine prochaine. Le nom de l'adresse est alors incorrect. Alors on tape alors incorrect dans la barre d'adresse et on a une nouvelle erreur qui nous dit que le fichier flash n'a pas pu être trouvé. Les fichiers flash. Ah. Incorrect.swf et ça c'était pour ça pour Flash. Petite référence. Ah oui d'accord, donc là il me dit que c'est problématique hein, comme téléchargement. Eh bien voilà. On aura essayé jusqu'au bout. Je pense qu'on va arrêter justement ici. De toute façon, là, je suis censé enchaîner directement avec un JDR. C'était laborieux, ces 10 dernières minutes, ces 20 dernières minutes, je sais pas exactement, j'en ai à 30 peut-être même. C'était laborieux. On a réussi à faire quand même du niveau 16 au niveau 25. On a dépassé le quart du nombre. On va essayer de faire la semaine prochaine. Toutes ces énigmes aussi rapidement que les 15 premières, parce qu'on a réussi à battre notre propre record dans les 15 premières. C'était assez simple hein, en vrai. Hein. Il suffisait juste de check. Par exemple, là, on a perdu quelques secondes. Voilà. D'ailleurs, ouais. Niveau 2, niveau 3, etc. On a réussi à gagner beaucoup, beaucoup de temps à partir de. À partir du 5, en fait. À partir du 5. On a gagné énormément. Et ensuite, jusqu'au 15, on en a gagné beaucoup parce qu'en fait, il y avait énormément de temps que j'avais inscrit en premier lieu sur le premier live, du coup, de ouverture facile. Je vais changer de page. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, j'oublie qu'il y a la page de l'épilepsie, là. Voilà. Et je vais enlever du coup mon message. Du coup, on va continuer à partir de là.
Et l'histoire, ce sera de se rappeler du coup de la solution qui était compliquée ou très simple selon le point de vue. Du coup, retrouvez-nous jeudi. Jeudi, on fait du coup chronologie des femmes artistes. On essaie de faire avec Nibbler justement une sorte de frise chronologique des femmes artistes qu'on connaît ou qu'on connaît un peu moins. En essayant de. Je vais arrêter mon truc en fait. Je comprends pas ce qui se passe là. Je vais arrêter ça. Je vais mettre recette. Hop, recette c'était. Ouais, c'est ça. Hop, on va remettre à zéro. On va mettre une pause. Voilà. Donc j'arrête ici. Pour le live. Split. Là, faut juste que je reclique. Ok. Mais je l'ai pas passé le 26 en fait. Il faut que je l'annule. Comment qu'on fait? Je fais reset direct. Ok. Si vous voulez que je fasse reset, je fais reset. Voilà. Donc on a normalement. Ah merde, j'ai tout perdu. Ok. Bon, on repartira de zéro, c'est pas grave. J'aurais dû faire save split, je pense. Mais voilà, bon, du coup, ce sera à recommencer et ça tombe bien, du coup, on pourra recommencer tout. Je save mon split avant et du coup, je regarderai les temps pour essayer de corriger un peu. Mais grosso modo, 1 minute 56, c'est infaisable. Voilà, jeudi. Jeudi prochain, du coup, chronologie des femmes artistes. On essaie de faire une frise chronologique des femmes artistes. Dimanche prochain, on continue, du coup, le speedrun, entre guillemets, de ouverture facile. Je vais sauvegarder cette page pour qu'on puisse s'en rappeler. Voilà. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine, si tout se passe bien. J'espère que vous prenez soin de vous et que vous allez prendre soin des autres. Voilà. Vous fais des bisous et à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. Bisous, bisous.